Une grosse tête responsable pendant plusieurs années de la hausse des températures le samedi soir à minuit sur Canal+, Sébastien Thoer. Oh non, écoutez. Il n'est pas venu. Alors, vous gardez qui en prochain, patron? Il est venu avec ses supporters. C'est pas, c'est des supporters que vous payez. Mais il y a mon beau-frère, mon ex, c'est quelqu'un à qui je dois de l'argent. C'est tout, voilà, c'est quand même... Non mais attends, tu harangues la foule avant qu'on arrive pour leur dire de crier « Toé ». Ah, ça vous gêne les people, hein, que les gilets jaunes soient connus comme moi. Ça vous gêne bien, hein, dans votre petit luxe, hein, au Cap Ferret, à l'île de Ré, hein, ça vous fait bien chier avec votre copain Marc Lévy et toute sa thune. Tu te couches avec le cul qui te démange, tu te réveilles avec le doigt qui pue. C'est pas... Est-ce que c'est récent, ça a été dit dans... C'est pas récent. Ah, c'est Ariel Dombal. Toucher un chèque RTL, est-ce que quelqu'un a une idée? Il y a une dame au premier rang, monsieur Toen, si vous voulez la rejoindre. Allez. Une jeune femme, même, je devrais dire. Une jeune femme. Ah bah sûrement avec, des jolis tatouages. Ah oui, une jeune femme à lunettes. Elle est tellement tatouée qu'on a l'impression que c'est sa robe qui a des manches longues. Ouais. Alors, mademoiselle, vous vous appelez? Bonjour, Marion. Bonjour, Marion. Vous faites quoi dans la vie? Je suis enseignante. Ah bah bravo, vous êtes de gauche donc. Bref. C'est un livreur de lait qui a été très embêté parce qu'il trouvait qu'il y avait une odeur nauséabonde dans son camion de lait, sa camionnette, car le lait fermenté qui se renversait à l'arrière... Qu'est-ce que devrait dire le poissonnier quand il livre ? Et donc c'est là qu'il a, dit bah, il faut trouver quelque chose... Et la banque du sperme, t'imagines la banque du sperme ? Pour Colline Belge, qui habite Agen dans le Lot-et-Garonne, quelle est la particularité? Vous connaissez un Bruno, moi, d'Agen? Oui, bien sûr. Quel est... Oh non, vraiment, mais alors là, on en est là, monsieur Toen. Je m'adapte au public et à mes camarades. Il y a une demoiselle au premier rang, elle a, je pense, 18 ans, elle hallucine. Elle va dire, je voulais voir Squeezie et McFly et Carlito, j'arrive, il n'y a que des dinosaures. Ça va? Ouais, même moi j'hallucine, j'imagine toi. Allez-y, patron, c'est à vous. Mais cette jeune fille, elle découvre la radio, l'émission. Elle hallucine avec sa copine, là, qui a l'air très sympa. Elles font, qu'est-ce qu'on fout là? On s'est fait avoir par mamie. On était gardés par mamie, on voulait voir des gens connus et tout. C'est vrai, mais... On allait voir les influenceurs et on se retrouve, on est à Jurassic Park, là. C'est vrai, j'ai... Eh ben, ça sort aujourd'hui, Jurassic Park. T'inquiète pas, l'émission ne dure que 6 heures, hein, tout va bien. Vous êtes venue avec qui, mademoiselle? Ah, ils sont en stage. Ah, vous êtes obligé d'être là, alors. Il est payé, j'espère, le stage. Une Belge, ça je l'ai dit, qui habite à Agen. Mais oui, j'ai été, évidemment. Par Bruno. Ah, je connais un Bruno d'Agen. Mais on est obligé de la refaire, il a Alzheimer. Ouais. Il l'a oublié, la blague. Mais vous l'avez oublié, la blague, forcément. Faites des blagues, vous comprenez. Et après, vous dites que cette demoiselle n'en reviendra jamais. Mais non, à cause de vous, elle n'en reviendra jamais. Mais elle va tomber dans la drogue, cette gamine. Alors que cette jeune stagiaire, je suis sûr, est intéressée. Public, on vous signale, monsieur Toen, si vous pouviez arrêter de vous moquer des jeunes qui sont au premier rang. C'est la nièce de qui? Parce qu'il y a, parmi les stagiaires, il y a le fils du directeur financier au premier rang. Mais vous dites rien à votre papa et vous dites bien que c'est Toen. Père est formé à la cantoche quand il fait ses concours de paix, on rigole. On rigole avec ton père, t'as pas idée? Qu'est-ce qu'on rigole? Arrête! Monsieur Toen! Monsieur Titoff et Valérie Trierweiler. Et sa maman. J'essaie de la valoriser devant sa maman, vous voyez. En fait, c'est elle, la stagiaire, Valérie, vous voyez. T'as vu, maman, moi, je dis rien dans leur connerie, là. Hein. elle était comment, petite, alors, Valérie? Elle voulait se taper le président, déjà. C'était cette émission, il n'y a pas longtemps, il n'y a à peine même pas 15 minutes. Mais vous avez qu'à me le dire. C'est une pas d'invité? Une des émissions les plus... Ah, ça, il y avait des invités qui venaient. Pas d'invité en promotion. Elle existe encore, l'émission? Alors, elle a été reprise plusieurs fois. C'est pas l'amour est dans le prêtre? D'ailleurs, parmi... Non. Eh ben oui, 15 800 moutons sont morts dimanche dernier. Non, mais oui, moi je sais où. Un naufrage. Eh oui, ils sont morts. Ils partaient pour l'Arabie Saoudite et le bateau était trop chargé. Et dans un port du Soudan, je crois. Ils sont morts noyés, effectivement, en mer Rouge. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des moutons sur la mer quand ça souffle fort. C'est dommage, autant un migrant qui se noie, on s'en fout, mais un mouton. Ça coûte aux alentours de 200 euros.
En fait, on a des raquettes qui sont adaptées à toute catégorie de joueurs, et en fonction du niveau de joueur, de sa morphologie, de son sexe, on adapte les caractéristiques de la raquette. Comment ça, son sexe le... Oui. Que c'est son genre, mais... de son genre, il et veut dire. Et pour 6 du panier, vous pensez à quelle raquette? Un gros tamis. Bon, par exemple, moi qui fais 1m12 et qui suis quand même faite comme une bouteille de Perrier ou d'Orangina, je dois avoir une raquette. Faites la balle. est un livre de jeunesse, mais paru de façon posthume. Qui a écrit Jean Santeuil? Ah bah c'est simple, c'est Gilbert Montagnier. Non. Non. Anniversaire incroyable. Une copine à vous, Olivier de Kersauson. Marion Maréchal Le Pen. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait d'elle? Oh là là. Moi je m'en fous, c'est un plan cul, je le dis. Hein. Qui pèse 600 kilos et qui mesure 7 mètres. Voilà, j'ai Pierre Ménès. C'est un poisson. Alors, c'est en Norvège, vous pouvez aller... C'est une école de commerce, hein, d'ailleurs, qui, devant, on va dire, sa façade, a installé... Ah, c'est un orque. C'est comme une statue, oui, effectivement. Ah, oui. C'est un orque. Alors, c'est pas une orque, on dit une orque. C'est une baleine. C'est une baleine. Sculpture. C'est une sculpture. Ah, c'est pas la mère de Yoann Rioux? Non, c'est... Nouvelle de comment notre ami, là, enfin, il lui croit qu'il est allé avec tout le monde. Chalençon, vous avez des nouvelles de Chalençon? Oui, oui, je reçois des petits messages régulièrement. Il a toujours pas retrouvé sa cédille. Oh! Une fois, je l'ai pris ici aux grosses têtes. Ah. Alors, depuis, évidemment, il est persuadé que je suis son meilleur ami. Vous savez ce que c'est? Et c'est bizarre, on dirait que c'est Paul Naref qui a avalé Marthe Vialonga. Physiquement, il y a un délire quand même dans ce mec-là. Mais bon, C'est un marsupiaux? Un marsupial ou des marsupiaux? Oui, un marsupial. C'était pour voir si vous saviez. Un rat? Un marsupial. Alors, est-ce qu'on peut savoir de quelle famille? Attends, ils se marrent entre eux, les deux, là. Ouais. Sans l'autre, à force de sucer, a bien chopé un CDI, quand même. J'ai bien aimé, je trouve qu'elle commente bien Marion Bartoli. Très bien. Ah, franchement, alors, je trouve que ce qu'elle apporte, c'est... Et puis, on voit pas sa tête, c'est cool. Non, mais alors... Ça sonne chez Mme Maresco à Ronque, dans le Nord. Et son prénom ? Marie. Marie Maresco. Ça sonne dans le vide, pour l'instant. Ah bah c'est le Nord, hein. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bah alors, le problème, c'est que je peux pas bien me déplacer, parce que j'ai des béquilles. Aïe. Donc, vous voyez, le problème d'Internet, même si c'est très rapide... rien de trop grave, Daniel ? Non, non, non. Un truc de jeune homme. Ah bon, ah, le sida ? Nous dit la presse, il a décroché l'or au championnat du monde de natation, 400 mètres 4 nages, devant toute sa famille. Je crois que son père était nageur, sa mère était nageuse, son frère est nageur. C'est trop facile. C'est une famille qui nage. Son grand-père était noyé. Alors, depuis le petit Grégory, on n'a pas vu un champion pareil. Deuxième performance de tous les temps sur. Après Philippe Croizon. Alors, non, justement, je vais vous demander, justement, après qui. Deuxième. Mark Spitz. Non. Phelps. Jim Phelps. Jim Phelps. Le prénom. Michael. Michael Phelps. Ouais, bonne réponse. De Liane Folly et de Sébastien Thorel. Merci, patron. Allez, 100 euros chacun, allez, boum. Léon Marchand, 20 ans, 400 mètres 4 nages. Je comprends pas ce que c'est 400 mètres 4 nages. Il faut faire 100 mètres par nage. Bah, il y a crawl, nage, papillon et abad. Hyper dur, abad. T'as les mains comme ça. C'est... Mais c'est super dur. La seule fille avec qui je suis sorti s'appelait Edmé. C'est pas vrai. C'est ma fille, c'est incroyable. Quand j'avais 15 ans. Ah, celle qui avait une grosse bite, là ? Mais non ! À propos d'une femme qui s'est illustrée. Marine Le Pen. Non, pas Marine Le Pen. Oui, cette femme s'appelle Holly Doll. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a fait, Holly Doll, face à 16 hommes ? Ah ben, un gangbang. Non. Est-ce qu'elle travaille pour... Il lui donne une grande claque, il donne des coups de pied dans le ventre, il se lève sa patte, il fait « Je t'ai eu la scoula, connard, je t'ai eu !» À son allure, il se lève, il prend le mec, il retourne, il met son pantalon. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il fait? Il l'encule. Mais il est où cet ours, disait Christophe? Dieu, s'il existe, il exagère. Oussama Ben Laden? Non. Et ça, c'est... Et Jean-Philippe, vous êtes prêt à donner ou? Oui, son accent. Donner et recevoir aussi. On peut donner un rein ou un morceau de son foie parce que ça se régénère ou je sais pas quoi là. Mais oui, je le ferai. Oui, mais donne ton trou de balle, il est magnifique. Ah non, ça on l'appelle le tunnel sous la hanche. Ah, le jeu de mots. Ah si, c'est Stevie. C'est Stevie qui me l'a dit. Ouais. Quelle est votre profession, Frédéric? Les ch'tis. Toen, s'il pouvait la mettre en veilleuse, ce serait bien.
Écoute-moi, Frédéric. Respecte les gens connus qui font rêver les Français. D'accord ? On va raccrocher et je t'emmerde. Frédéric. J'en ai autant à son service. Moi, je suis technique. Bravo, Frédéric. La rébellion s'organise. Frédéric. Sébastien. Je les connais, les meufs comme ça dans les campings, elles disent non, et puis à la vaisselle, tu leur mets un tir. Temple pour Nicole Provost qui habite Chatou. Ah, la fille de Franck ? Non. Pourquoi c'est lui qui vous coiffe comme les miss ? Non, moi, je suis très Jacques Dessange. Comme la dame là-bas avec les bigoudis. Non, pas vous, monsieur, à côté. Ah, voilà, elle. Voilà. Non, derrière, la grosse derrière. Oh ! Mais non. Elle est magnifique. Ça va, on s'en fout, c'est de la radio, on est beau. On ne te verra pas. Pour Nick. Quel âge il a, BHL, Ariel ? Quel âge je ne répondrai pas à ce question. 73 ans, il y a encore de belles érections, non ? Oh ! Oh non. Il y a encore de belles érections, 73 ans. Ah, monsieur ! Allez, venez, prouvez-le ! Venez sur scène, allez ! Section d'assaut. Vianney. Oh ben, non, pas lui. Si, Ben Harper. Ben Harper, le français. James Blunt sera là aussi. Ah, c'est nul, on dirait Dany Briand. Bon, monsieur Thorène. Non, mais moi je donne mon avis, c'est mon problème. Et puis évidemment, des soirées plus classiques, par exemple, Renaud Capuçon sera là. Oh, là. Il tourne avec l'autre, là. Laurent Ferrari. Katia Buniatichvili pour un récital au piano. De quel pays, ça ? Et je crois qu'elle est ukrainienne, oui. D'ailleurs. Oh, les pauvres, vous êtes au courant ? Excellente réponse de Johan Rioux. Bravo, Johan. Ah oui. Il peut être le plus grand sportif hors football de l'histoire, tellement il est promis à une multitude de médailles aux Jeux Olympiques. C'est lui qui fait du handisport. C'est très excitant. C'est lui qui fait du handisport. Mais non. Ah non, c'est Dany Abad. Les confonds toujours. Il a été reçu par le maire de Toulouse, salle des illustres, le tout jeune champion du monde, effectivement. 20 ans. Mais quel sport ? On ne sait même pas quel sport. La natation, je vous ai dit. Enfin, écoutez. C'est le 4 x 400 mètres. Ah oui, c'est bien ça. Ça ne sert à rien, tout le monde s'en fout. Tu sais nager ou pas ? Toen, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il y a, patron ? Quand vous n'avez rien à dire, ouais. Et c'est le principe. Fermez votre gueule. Mais si je fais ça, je dis rien tout le temps. Ah, c'est vrai, remarquez. J'avais oublié ce détail. Pour l'émission de radio, c'est compliqué.